On présente le meilleur packaging au monde. Et en gros, il y a tout ça comme produit intérieur et c'est une collaboration avec Barbie. Franchement, Nyx, vous avez d'être ça. Et je vais m'inspirer de ce make-up. J'aime trop les fonds de teint que j'aime comme ça. Allez, passons aux choses sérieuses. D'abord, je vais commencer avec mon miroir. Le plus beau miroir de l'histoire des miroirs. On va commencer par le blush, tiens. Je me demande si ça, c'est pas un bronzer. J'aime bien la couleur, elle est douce. Et là, on va passer aux palettes. J'en ai deux. Ou soit on a celle-là. En vrai, les fards, ils sont tous trop beaux, je trouve. Je vais commencer avec cette couleur. C'est pigmenté de ouf. Je vais enlever le surplus. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. J'utilise mon super miroir. Et là, je vais prendre ce violet. Je vais faire comme si je me faisais un trait de liner. Je vais prendre ces paillettes. Et je suis obligée de faire un swatch. Oh, waouh! Et je vais en appliquer ici. Pour le bleu que je vais mettre en dessous, je vais utiliser celui-là. J'espère qu'il va pas tout gâcher. Je vais l'estomper avec le bleu là. Je vais me faire un liner rose avec du rouge à lèvres. Je sais pas du tout si ça va marcher. Et là, on passe au fossé. J'ai trop hâte de les mettre. Ils sont magnifiques avec les petites touches de rose là. Ça va trop bien avec le make-up. En vrai, il a l'air trop rose le gloss. Et voilà mon make-up de Barbie. En vrai, cette couleur de gloss, c'est pas trop mon genre, mais ça va trop bien avec le make-up, je trouve.